Pour moi, Plume, ça représente, ça a été un tournant assez important dans ma carrière, on pourrait dire, du spectacle. J'ai pu trouver plein de choses au niveau du clown, puisque en fait, quand je travaillais avec mes partenaires, on faisait un numéro d'acrobate, on faisait de la comédie, etc. Mais il n'y avait pas encore les structures, il n'y avait pas encore le nouveau cirque qui était là, qui existait. Pouvoir s'adonner un peu à plein de choses, au jeu d'acteur, à la musique, à l'improvisation. Mon père était directeur d'un théâtre à Angoulême, en province, petit théâtre à l'italienne. Et un jour, il a fait venir un petit cirque pour faire une animation dans la rue et faire des spectacles. Et le cirque est venu. Et moi, je dis à mon père, voilà, je vais partir en vacances. J'ai envie de partir en vacances avec eux. Puis en fait, je suis parti avec eux juillet-août. Mais là, j'étais uniquement plus ou moins technicien, c'est-à-dire je montais, démontais le chapiteau, je m'occupais plutôt au niveau de la manutention. Et puis comme ça, j'ai tourné avec eux pendant 2 mois. Et puis, mais déjà, je faisais de la gymnastique, j'étais gymnaste. Et puis m'est venue là, cette passion du cirque. À ce moment-là, je sais pas, je devais avoir 16 ans, donc c'était... Je quittais mes parents, je partais de la maison, c'était aussi la liberté, quoi, la route. Partir avec c'était pas un sac à dos, mais c'était une caravane. Et puis c'était l'aventure, quoi. J'aime bien vivre dans ma caravane. C'est vrai que maintenant, ça fait pas mal d'années que je vis là-dedans. Donc je commence à avoir envie aussi d'avoir une maison, pouvoir me retrouver, pouvoir m'étendre un peu, faire de la peinture, avoir un atelier pour bricoler, parce que j'aime bien bricoler. Comme on est tout le temps au cirque, on vit à côté du cirque, la vie, le travail, tout ça, ça se mélange. Et des fois, c'est bien aussi de quitter, d'avoir une maison juste pour... Ouais, en fait, pour pas tout mélanger, ouais, quoi. Et pas se restreindre au niveau des affaires, ouais. Parce que dans ta caravane, tu peux pas tout mettre. Ouais. T'as des bouquins, bah les bouquins, tu peux pas tous les mettre. Comme tu dis, si tu veux travailler... En fait, dans une caravane, il faut ranger tout le temps. Ouais. Ouais, roulette, t'as vu celle-là, roulette, qu'est-ce qui t'arrive? Oh les gars, effectivement, c'est bon alors. Oh. Ce qui me plaît chez un artiste, c'est qu'il ait une personnalité, un caractère, un potentiel et qu'il se mette au service d'un spectacle pour faire avec d'autres. C'est pas jamais de mon numéro et je touche à rien. Et je pense que ce qui est une des grandes qualités des artistes qui travaillent au Cirque Plume, c'est une grande disponibilité pour la création, pour l'invention, mais aussi pour se rendre disponible au spectacle et aux autres artistes. Les gens ils disent souvent, ah, on voit bien, enfin, on voit que vous entendez bien, qu'il y a un esprit, il y a quelque chose, il y a un esprit que vous vous amusez bien, qu'il n'y a pas de tension entre les uns et les autres. On sent un groupe, voilà, on sent un groupe. Donc avec des gens qui partagent plus des moments de vie que d'aller dans un théâtre, où on va bosser dans un théâtre, puis après on s'en va chez soi, chaque comédien va chez soi.
Tant que les gens sont pas là, tout ça, bon, je dirais à la rigueur qu'il n'y a pas vraiment un spectacle. Mais là, quand on entend le brouhaha des gens dans la salle, les gens qui marchent sur les planches, ça fait un bruit incroyable. Là, espèce de sérénité qui arrive. Chacun, on est dans son coin, on se met en situation. Puis voilà, puis ça se passe bien, en fait. On croit toujours que ça va, qu'on va jamais y arriver, mais en fait, on y arrive tout le temps.